Je suis Cécile Lovell, je suis ingénieure hydraulicienne et directrice de projet dans la société Filia Ingénierie, qui est une société coopérative qui est basée sur des principes humains. On se qualifie d'ingénieur citoyen, c'est-à-dire qu'on fait le projet et on s'intègre à la problématique avec les gens qui la vivent. J'interviens à Conques-sur-Orbiel sur un projet de gestion du risque inondation et de réparation de la rivière. Cette rivière, initialement, elle traversait le village. Il y a eu des constructions qui se sont faites dans le village et ils ont dévié la rivière. Ils ont aussi créé un seuil, donc c'est un obstacle dans le limineur de la rivière pour faire une prise d'eau et arroser. Parce qu'à côté de là où ils ont construit, où ils ont dévoyé la rivière, ils ont fait des jardins et ils pouvaient arroser les jardins par rapport à ce biais-là. En 2018, il y a eu un gros coup de pluie et la rivière est repassée par là où elle passait avant, donc elle a inondé des structures publiques. L'objectif du projet, c'est de réaménager la rivière et contrôler les petites crues ou les crues moyennes pour limiter les fois où elle va sauter et aller dans le village. Ce qu'il faut faire, c'est regarder les cartes historiques pour voir comment était la rivière avant, pour m'imprégner un petit peu de son évolution en plan. Ensuite, j'ai regardé la topographie du secteur et ensuite, on est allé sur le terrain pour quelques mesures sur site et tu analyses comment la rivière se comporte, comment les berges de la rivière réagissent à l'eau. Donc il faut se donner une idée de comment ma rivière va évoluer. Tu vas réfléchir à est-ce que j'arase le seuil ou je dérase. Donc la différence c'est araser, tu laisses un mini point dur, déraser, t'enlèves tout, il n'y a plus rien. Donc là on a fait le choix de juste araser parce que si on dérasait, il y avait un risque que les fondations du pont en amont elles viennent se faire grignoter. Une fois qu'on a fini les études, on fait deux choses. On fait un dossier réglementaire pour pouvoir intervenir et on a rédigé un cahier des charges, un dossier de consultation pour les entreprises et on les a suivis. On a fait de la direction de travaux, c'est-à-dire qu'on dit à l'entreprise ce qu'elle fait et on vérifie qu'on fait bien ce qu'elle y a dit dans les règles qui ont été édictées et qui ont été validées par l'État. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que c'est très varié, c'est jamais pareil tous les matins. On travaille sur des problématiques diverses, et de la demande du client et la problématique jusqu'à la réception des travaux en passant par toutes les procédures réglementaires qu'il faut faire. Puis après, il y a une dimension environnementale qui est chouette, c'est-à-dire que non seulement on règle la problématique inondation, mais tout ce qu'il y a autour, les poissons, la qualité de l'eau et maintenant avec le changement climatique, c'est hyper important de trouver des solutions fondées sur la nature et pas forcer la nature à. Pour faire mon métier, je pense qu'indéniablement, il faut avoir un bagage technique. Mais après, c'est l'humain. On fait un projet pour quelqu'un, pour des gens. Donc, il faut remettre tout ça en perspective. On n'est pas juste quelqu'un qui vient faire un projet. On se met à la place des gens et on prend notre casquette citoyen en se disant « si j'habitais là, je voudrais quoi ?» Dans le mot ingénieur, il y a génie. Ça veut dire que tu vas créer des choses. Tu crées des choses et tu les vois se réaliser. Je trouve ça hyper satisfaisant.